Dixième partie, Philae, le principe féminin. Tout en profitant des abords de l'île de Philae, consacrée depuis des temps anciens au culte d'Isis, la force féminine, qui éveille la spiritualité dans la conscience humaine, nous découvrirons comment la femme occupait une position privilégiée au sein de la hiérarchie égyptienne. L'univers égyptien reposait sur le couple, le masculin et le féminin, égaux entre eux, chargé de créer l'ordre au milieu du chaos, de faire du monde une perfection et de la conserver ensuite pour l'éternité. Les prêtres de l'œil d'Horus enseignaient aux hommes que le Dieu unique, présent en toutes choses, était constitué d'une partie masculine, la sagesse à l'information parfaite, et une partie féminine, l'homogène substance à l'amour infini. Au plus haut niveau de son univers divin et ordonné, Atum, ainsi nommait-on le Dieu unique, la sagesse absolue, alors que l'univers ne s'était pas encore manifesté, avait également une dimension féminine, appelée Nun, la substance virginale, la matière indifférenciée et homogène, les eaux primordiales, l'amour infini. Atum et Nun, le couple originel en état de repos, activaient leur volonté divine, achevant l'équilibre existant, et ce faisant, ils devenaient Ptah et Sekhmet. Le même Dieu unique, mais désormais doté d'autres caractéristiques, puisque sa propre volonté le mettait en mouvement. Ptah, la partie masculine du Dieu unique, émettait une information créative. Sekhmet, la partie féminine, l'enfantait à l'intérieur de la substance d'amour, manifestant le Fiat Lux, l'énergie et la substance lumineuse en mouvement. Ptah et Sekhmet sont les feux multiplicatifs de tout ce qui a été conçu. Ils créent d'autres couples de divinités créatrices, les forces fondamentales nommées Nether, extension de la cause primordiale dans un univers divin. L'action de ce feu sur lui-même, sur la substance amniotique originelle, générait Tefnut, l'évaporation humide, et Chou, l'air en mouvement. Ce couple de divinités, Tefnut et Chou, vapeur et air en mouvement, aide à différencier l'esprit primordial, en le condensant, en le matérialisant, générant un autre couple, Jeb, la terre, et Nout, le ciel. C'est ainsi que furent créés les mondes de l'espace, le royaume minéral, sous forme de soleil et de planètes, les systèmes solaires et les galaxies. Dans ce monde divin, deux nouveaux couples sont nés, Osiris et Isis, Seth et Nephthys. Ces deux couples de forces fondamentales étaient chargés du processus d'évolution de toutes les formes matérielles de l'univers. Leur but était de les transmuer à nouveau en esprit. Ainsi, sous l'action des divinités créatrices, la matière originale est différenciée. D'innombrables combinaisons mathématiques produisent différentes structures vibratoires. Sur la planète, le royaume végétal est né à l'état stationnaire et le royaume animal est né en mouvement. Puis, dans un autre acte créatif, le Dieu unique enfanta son fils, la conscience de l'homme. Un autre couple, humain cette fois, formé par un homme et une femme, ayant la capacité de se reproduire.
Une fois que cet acte a eu lieu, Ptah et Sekhmet, le couple qui créa l'univers, devient Amon et Mout, principe masculin et féminin du Dieu unique quand il crée l'homme. Il le manifeste selon sa propre image, doué du pouvoir de créer dans son esprit, de modeler, de bâtir. Il donne aux hommes le libre arbitre afin que, comprenant les conséquences de leurs décisions, ils acquièrent la sagesse selon un processus d'évolution qui s'opère au gré de nombreuses vies. La structure égyptienne de l'univers divin et humain est fondée sur le couple. Ainsi donc, la femme, avec sa présence amoureuse, jouait un rôle très important au cœur de la société. Depuis la reine d'Égypte qui donne naissance au pharaon, aux prêtresses vouées au culte d'Isis et d'Hathor, jusqu'à la mère de l'humble travailleur, elles étaient respectées et considérées à l'égal des hommes. L'île de Philae était dédiée à Isis. Mère d'Horus, cette figure était le symbole de la maternité. Isis occupait dans le cœur des Égyptiens la même place que la Vierge Marie pour les catholiques. Depuis des milliers d'années, des centaines de statues à son effigie ont survécu. Nombre d'entre elles la représentent accordant sa protection et son amour maternel au nouveau-né Horus, dans une position où un catholique identifierait la mère de Jésus. L'île accueillait les initiés et les prêtresses vouées à son culte dans une société égalitaire. Des centaines de femmes, appelées Mvet Neter, étaient chargées de l'éducation musicale, des danses, et de jouer du sistre durant les rituels dans tous les temples d'Égypte. Isis est la personnification de la maternité dévouée, de la fidélité et de la délicatesse féminine. Isis nourrit la substance, les émotions supérieures, l'extase, l'intuition qui permet, grâce à la confiance et l'amour, la gestation d'Horus, incarnation de la conscience immortelle et constante. Isis est la force qui conduit l'homme vers la spiritualité à travers ses réincarnations, alors qu'il abandonne peu à peu sa dimension animale et devient un être sage, respectueux et flexible, né à la conscience permanente, symbolisée par Horus, fils immortel d'Isis. Isis est la matrice de cette conscience permanente. Elle fait naître dans l'univers intérieur de chaque homme les émotions supérieures lui permettant d'élever sa fréquence vibratoire. Isis descend des dimensions supérieures jusqu'à la conscience, inspiration qui produit les idées qui sont à l'origine des arts. Isis pousse à la recherche et reconnaissance de Dieu. Elle pousse sur la route de la spiritualité, conduisant chaque homme à ressentir librement l'émotion supérieure d'adoration de Dieu, ce qui l'amène à l'extase. L'île de Philae était dédiée à cette force matérielle de l'univers. Une île de granit au milieu du Nil, située après les premières chutes d'eau du nord de la Nubie, à la frontière des royaumes d'Égypte et de Kushita. Philae signifie « île » ou monticule sur les eaux qui émergent au temps de Ra. Ce nom suggère l'usage sacré du site depuis des temps anciens. Durant des milliers d'années,
Les magnifiques temples qui étaient situés là avaient pour fonction de favoriser la culture, l'art et la religion égyptienne vers la Nubie et le Soudan. Les ruines les plus anciennes sont situées au sud-est. Là, il y avait un temple orienté vers l'étoile Canopus et dédié à la divinité Mandoulis. Le temple fut détruit au cours de l'une des guerres antiques entre Égyptiens et Nubiens. À côté des ruines, les Nubiens construisirent un autre temple dédié à Arens Nufis. C'est ainsi qu'ils appelaient Osiris, le compagnon d'Isis. Les Égyptiens, reprenant le contrôle de l'île, construisirent un premier temple dédié à Isis. En 1250 avant Jésus-Christ, Ramsès II laissa une stèle sur laquelle il assurait avoir fait reconstruire le temple. Le pharaon Taharqa fit de même en 680 avant Jésus-Christ. Et 120 ans plus tard, en l'an 560 avant Jésus-Christ, le pharaon Amasis commanda les sculptures du pylône. Trois cents ans plus tard, Nectanébo construisit un temple situé à l'angle sud de l'île. En l'an 250 avant Jésus-Christ, les pharaons ptolémaïques, successeurs d'Alexandre le Grand, décident de réorienter l'axe du temple de 21 degrés, afin de le recadrer sur l'étoile de Canopus qui s'était déplacée avec le mouvement du système solaire. Les temples des étoiles étaient démontés et réassemblés tous les 300 ou 400 ans, afin de les recentrer sur l'étoile qu'ils étudiaient. Le mouvement du système solaire faisait sortir l'étoile des limites marquées par le pylône. Le temple aurait dû être entièrement déplacé pour s'adapter à son nouvel axe. Mais durant cette période, les intérêts ptoléméens étaient davantage centrés sur la Grèce et la Macédoine, en raison des rivalités qui les opposaient aux autres rois grecs, entre lesquels Alexandre avait divisé son royaume. De plus, le fait que le temple soit situé sur une île rendait le travail plus difficile. C'est pourquoi ils décidèrent de construire un temple plus petit, avec un second pylône qui encadrerait la voûte céleste de façon adéquate, sans modifier le temple original. Alexandrie était devenue la capitale de l'Égypte, et le grec était sa langue officielle. En l'an 31 avant Jésus-Christ, Cléopâtre VII fut vaincu durant la bataille d'Axium, et suite à son suicide, l'Égypte tomba entre les mains d'Octave, qui devint Auguste, le premier empereur romain. Les empereurs romains construisirent d'autres temples sur Philae. Trajan entama la construction d'un temple qui ne fut jamais achevé. Ses chapiteaux striés représentaient des feuilles de papyrus, au-dessus desquelles reposent encore des cubes de pierre jamais décorés comme l'exigeait pourtant la tradition. Philae fut l'un des derniers sites d'Égypte où vivaient encore des prêtres voués à l'ancien culte. C'est à partir de ce moment-là qu'apparaissent les sectes gnostiques, connues plus tard sous les noms de Rose-Croix, franc-maçonnerie ou Ordre des Illuminati, et qui conserveraient le secret du savoir égyptien. En 553 après Jésus-Christ, l'île, un des derniers bastions du paganisme égyptien, fut dédié à Saint Stéphane et à la Vierge Marie par décret de l'empereur Justinien. Au XXe siècle, Philae fut submergée sous les eaux du barrage d'Assouan. Avec les fonds de l'UNESCO, le temple et les autres bâtiments furent entièrement démantelés et reconstruits sur l'île d'Aghilkia, en suivant le modèle de l'île initiale. Le temple fut orienté dans la même direction que le temple original.
Norman Lockyer établit l'axe du temple original à 76,5 degrés sud-est, centré sur les mouvements de l'étoile de Canopus au-dessus du pôle sud, dans la même position que le temple d'Edfou. Initialement, les deux tours du pylône étaient placées à 15 degrés au-dessus de l'horizon sur Canopus, qui fut durant des milliers d'années l'étoile polaire du sud. Cette position confirme à nouveau que tous les temples d'Égypte étaient orientés vers une étoile ou le soleil. En arrivant depuis le Nil, on observe l'imposant bâtiment. Les deux pylônes qui forment la grande cour intérieure et le grand nombre de colonnes constituant la cour hypostyle qui conduit au temple de Nectanebo. La grande cour extérieure adopte une forme trapézoïdale, grâce à 32 colonnes disposées sur deux rangées et construites dans un angle qui s'ouvre sur le temple. Cette disposition produit une illusion de grande profondeur. Les colonnes et un très long mur qui présente à distance régulière une série de fenêtres donnant sur le Nil forment un passage sombre. Toutes les colonnes sont différentes. Telle une canée de papyrus, leurs chapiteaux aux motifs floraux et aux couleurs vives adoptent différentes formes. Les femmes étaient initiées pour devenir prêtresses dans les temples consacrés au culte des divinités féminines, telles qu'Isis ou Hathor. Là, elles formaient celles qui seraient chargées de la musique et des danses, qui accompagnaient les rituels de toute l'Égypte. Les femmes qui se consacraient à la musique portaient le titre de Shemayet. Elles pouvaient aussi servir des divinités masculines. Elles pouvaient également devenir scribes. Elles étaient chargées de jouer du sistre, dont les sonorités pacifiaient les divinités et permettaient à l'esprit humain de trouver l'apaisement. Les prêtresses vouées à Hathor remplissaient d'autres fonctions sociales. Hathor était la divinité de la sexualité féminine, de l'amour, de la musique et la danse, dont les célébrations étaient le lieu d'ivresse, origine des festivités dédiées à Bacchus. Ces prêtresses apportaient la fertilité et enseignaient aux hommes qui allaient se marier l'art de l'amour, afin de satisfaire leur future épouse. À l'est, contre la colonnade de la grande cour, il y a un petit temple consacré à Imhotep, le grand prêtre qui construisit la pyramide à escalier de Saqqara et laissa les plans des temples de Dendera et d'Edfou. Sur le premier pylône, comme dans de nombreux temples, on retrouve la figure du pharaon gravée dans la pierre. Dans ce cas précis, il s'agit de Ptolémée XII, qui frappa de sa canne les 9 célèbres ennemis d'Égypte. C'était une sorte de conjuration graphique et symbolique qui maintenait éloignées les forces du chaos et proclamait la volonté du pharaon, médiateur entre l'homme et Dieu, de maintenir l'ordre en Égypte et dans le cosmos. La confrontation de l'ordre et du chaos est un exemple du principe de dualité selon lequel les Égyptiens concevaient l'univers. De la même façon, le pays avait 2 territoires. La longue vallée du Nil, appelée Haute-Égypte, et le delta qui s'ouvrait sur la Méditerranée, appelée Basse-Égypte.
Le pharaon unifiait cette dualité. Il portait deux couronnes qui témoignaient de son contrôle sur les deux territoires. De la même façon, il unifiait l'humain au divin. Son corps était le moule contenant le Kareal, un esprit chargé d'Égypte et qui se réincarnait de pharaon en pharaon. C'est pour cette raison que le pharaon, la personne la plus importante d'Égypte, représentait le degré de conscience atteint par le peuple durant son règne. Il était une sorte de dieu mineur, réincarnation vivante de l'esprit à qui Dieu confiait la tâche de gérer l'Égypte. Le nouveau pylône avait deux mâts où flottaient deux oriflammes. Ces deux tours auraient dû être symétriques et unies par un portique. Cependant, sur Philae, la tour de gauche possède une porte qui menait directement à la chapelle de la naissance. Plus tard, sous la domination romaine, un portique fut adossé au premier pylône. Dans cette chapelle, on célébrait la naissance des divinités et de leurs enfants, comme Horus, la maternité d'Isis, quand Sirius, sa correspondance stellaire, venait annoncer la nouvelle année, le solstice d'été et la montée du Nil. La chapelle de la naissance, avec ses colonnes attoriques, remplaça le temple principal en tant qu'observatoire astronomique à une époque précédant la construction par les Romains des colonnades qui donnent à la cour sa forme trapézoïdale. Aucune société n'a autant que l'Égypte valorisé les femmes. Cette société considérait l'homme et la femme à égalité, grâce à leur conception philosophique de Dieu. Les femmes avaient les mêmes droits que les hommes à posséder de la terre, acheter, vendre ou entreprendre des actions légales. Cependant, jamais une femme n'occupa une fonction administrative. Les hommes étaient chargés du maintien de l'ordre. Le pharaon gouvernait et les hommes administraient l'empire. Il existe une légende qui affirme que le droit au trône était transmis par la lignée féminine, la princesse royale, héritière légale du trône. L'homme qu'elle choisissait comme époux devenait le pharaon régnant. Ce qui obligerait chaque roi, en dépit du fait qu'il soit le fils de son prédécesseur, à légitimer son accès au trône par un mariage avec sa sœur ou sa demi-sœur. Cependant, aucune lignée directe d'héritiers ne confirme cette légende. On sait que les pharaons étaient polygames, et les principales femmes de Thoutmôsis III, Amenhotep II et III, n'étaient pas issues de familles royales. En réalité, les pharaons qui épousèrent leur sœur ou leur demi-sœur le firent par désir d'imiter les divinités Isis et Osiris, ou Seth et Nephthys, qui étaient frères et sœurs et époux. En épousant sa sœur ou sa fille, le pharaon se différenciait de ses sujets, qui ne se mariaient jamais ainsi,
Il se positionnait lui-même au niveau des divinités, réaffirmant son droit divin à régner. Une femme pharaon n'était pas une option courante. La pharaone Hatshepsout accéda au trône en tant que régente de son demi-fils Thoutmôsis III, fils de son mari et demi-frère Thoutmôsis II et d'une autre femme. Une fois au pouvoir, elle s'habilla comme un homme et adopta le pouvoir du pharaon. Après son règne, sa représentation en tant que pharaon fut systématiquement effacée, faisant disparaître des mémoires la trace d'une femme qui avait accédé au pouvoir d'une façon incorrecte. Cependant, ses représentations en tant que reine sont restées intactes. À 4 occasions seulement, sur 300 règnes, des femmes devinrent pharaons, et ce durant une courte période, pour des raisons qui sortaient de l'ordinaire. Il s'agissait de l'ultime recours de leur famille pour tenter de maintenir l'ordre. La première d'entre elles fut la reine Nitocris, qui régna à la fin de la 6e dynastie, au début du chaos, aujourd'hui appelée la première époque intermédiaire. La seconde fut Sebek-Nefru, à la fin de la 12e dynastie. La troisième fut Taouserht, qui prit le pouvoir après le chaos causé par Moïse et les 10 plaies qui s'abattirent sur le pays, quand son épouse Séti II trouva la mort en traversant la mer Rouge. La quatrième fut Cléopâtre, après avoir tué son frère et avant que l'Égypte ne devienne une province romaine. Toutes étaient reines d'Égypte suite à leur mariage avec le pharaon et elles accédèrent au trône quand ils moururent dans des circonstances extraordinaires. Les prêtres pouvaient se marier, mais ils ne pouvaient épouser qu'une seule femme. Tous les autres hommes, y compris le pharaon, pouvaient prendre pour épouse autant de femmes qu'ils le désiraient, mais la majorité d'entre eux optait pour une seule femme. En Égypte, la séparation était légale dans le cas où le mariage échouait. L'homme devait rendre toutes les richesses et propriétés apportées en dot par la famille de sa femme, ainsi qu'une part de ses propriétés pour ses enfants. Pour cela, il devait juste prononcer devant les témoins des deux familles et le prêtre du temple qui était le sien la formule suivante. En ma qualité de mari ou d'épouse, je me sépare de toi et je te quitte pour toujours. Je renonce à mon droit sur toi. Que la vie t'apporte un autre compagnon là où tu souhaites te rendre. En dépassant le nouveau pylône, nous atteignons ce qui fut la cour du péristyle, aujourd'hui constituée de la façade originale du temple, du passage de droite avec ses 10 colonnes et sur la gauche de la nouvelle chapelle de la naissance. Dans cette cour, on découvre la stèle contenant le cartouche de Ptolémée et Cléopâtre qui permit à Champollion de déchiffrer le décret, écrit en hiéroglyphes, en grec et en démotique, sur la célèbre pierre de Rosette. Ce décret obligeait à honorer la figure du pharaon. Pour mieux comprendre l'époque ptolémaïque, à l'époque de la restauration du temple, nous en résumerons le contenu.
Il est décrété que tous les temples d'Égypte doivent destiner, à côté des sanctuaires des dieux, un espace conservant une image en or du roi Ptolémée, l'adoré Ptah, dieu de l'épiphanie eucharistique, en face de laquelle devra être placée la figure de la principale divinité du temple qui lui remet l'arme de la victoire. Tout ceci doit être conçu en accord avec le style égyptien. Les prêtres, vêtus de leurs robes sacrées, doivent l'adorer trois fois par jour, célébrer en son honneur tous les rituels et le transporter durant les festivités à l'égal des divinités. Pour les prêtres égyptiens, l'homme est un animal, même quand il peut consciemment contrôler les réflexes générés par son instinct. Les réactions automatiques permettent aux animaux et à l'homme de maintenir et de générer la vie. L'attirance envers le sexe opposé pousse à créer la vie. Les désirs sont un mécanisme naturel qui signale un manque auquel il faut répondre pour maintenir la vie. La peur engendre l'agressivité ou la fuite afin de défendre la vie. Les initiés apprenaient que les instincts primitifs limitaient l'accomplissement spirituel. L'école des mystères possédait des temples spécialisés dans la génération de la conscience et fournissait la formation nécessaire pour mettre fin à ces comportements. L'instinct d'agression était contrôlé dans des temples tels que celui de Komombo. Là-bas, la peur était anéantie par la reconnaissance du fait qu'il n'y avait rien dont on puisse avoir peur, que la mort n'était qu'un autre stade de la vie. On y enseignait que la peur consumait l'énergie vitale nécessaire pour parvenir à la paix intérieure. Les temples comme celui de Philae, consacrés aux divinités féminines, accueillaient les initiés des premiers niveaux qui, sous la direction des prêtresses, étaient éveillés à la conscience des désirs générés par l'instinct d'attirance. Le désir conduit l'homme à confondre besoin et attirance. Il produit une réaction de goût ou de rejet dans le centre des émotions, qui à son tour connecte les émotions dans le cerveau. Mais les sentiments sont polaires. Ils peuvent être joie ou tristesse. Ils peuvent produire de la satisfaction ou son contraire. C'est pourquoi il est important de savoir ce qui les génère, afin de contrôler les instincts négatifs. Les instincts négatifs provoquent l'apathie. Ils épuisent l'énergie vitale et asservissent l'homme à des vibrations de basse fréquence. Les Égyptiens croyaient que la voie de l'évolution commençait avec le contrôle des centres inférieurs, en rendant conscients les actes réflexes. La méthode égyptienne de transcendance des émotions, de la convoitise, des désirs sexuels passait par leur reconnaissance et l'expérimentation. Un être innocent et sans expérience perd facilement le contrôle de lui-même. Il est vulnérable aux circonstances inconnues et peut aisément sombrer dans la dépression. C'est pour cette raison que la première étape de la formation des prêtres, hommes et femmes, les entraînait à reconnaître leurs désirs. Ils apprenaient ainsi qu'en activant leurs centres inférieurs et leurs émotions dans l'amour et la compréhension, il en résultait pour l'esprit paix, bonheur et harmonie. Le temple était considéré par les prêtres comme un modèle du monde, au moment de sa création initiale. À ce moment-là,
Dieu rendit l'univers manifeste en faisant émerger des eaux du chaos un monticule de terre à l'image de la décrue annuelle des eaux du Nil, permettant au Dieu créateur d'apparaître et d'apporter une vie nouvelle dans le pays. L'accès par un escalier fait du sanctuaire le mont de la création, où Isis, la déité du temple, se manifeste dans la statue qui la personnifie. En montant vers l'intérieur, on arrive dans une petite cour entourée de colonnes, située au centre de la chambre de la vie, une salle hypostyle aux colonnes très élevées. La salle hypostyle, face aux espaces intérieurs du temple, représente le panthéon de la montagne originale de la création, où poussent plantes et papyrus, symbolisés par les colonnes du temple. L'espace central, ouvert sur la chapelle pure, où les figures symboliques étaient exposées au soleil, selon un ancien rituel, pour renouveler leur énergie. Là, on célébrait la bonté du soleil qui créait et soutenait le monde pour renouer avec les forces créatrices qui conduisaient vers l'évolution. Les murs de cet espace étaient gravés, témoignant de la compréhension de l'univers. On observe aussi de nombreuses gravures de croix cosmiques, les signes d'une philosophie nouvelle introduite en Égypte quand Philae devint une église catholique. Une nouvelle vision du monde qui retira son sens à la vision traditionnelle égyptienne, la considérant comme aberrante et primitive. La maison de la vie, ou Père Ankh, était l'endroit où les textes sacrés étaient écrits, copiés et conservés. Là, on dessinait sur papyrus les illustrations originales qui étaient ensuite gravées sur les murs du temple. C'est également dans cette salle, présente dans chaque temple d'Égypte, qu'étaient préparées les copies du Livre des Morts, utilisé au cours des rites funéraires. La maison de la vie était le centre d'enseignement du temple. Théologie, art, ritualité, magie, astronomie et médecine y étaient étudiées. La bibliothèque servit de modèle à la bibliothèque d'Alexandrie. Dans cette salle, les prêtresses jouaient de la harpe. On entonnait les hymnes et créait les musiques qui accompagnaient tous les rites religieux. Les Égyptiens attribuaient à la musique une origine divine. Les murs du temple montrent qu'ils utilisaient de nombreux instruments de percussion. Des tambours, flûtes, des tarboukas et des sistres, essentiels dans les rites funéraires et les processions. Les danses, musiques et chants stimulaient le créateur afin de maintenir la fertilité et d'éviter le retour du cosmos au chaos. Les prêtresses prenaient également soin des malades qui venaient au sanatorium du temple. La musique
était utilisé comme instrument de guérison spirituelle et matérielle, et les notes musicales servaient de mesure entre la terre et les planètes. Par leur danse, elles adoraient Dieu, force d'amour, le bonheur et la musique. On arrive ensuite dans la salle des apparitions, dans ce cas précis non hypostyle, et sa salle traditionnelle qui communiquait avec l'extérieur par une ouverture latérale pour recevoir les offrandes du peuple. Ces murs retracent des scènes qui, comme dans tous les temples d'Égypte, n'ont pas d'arrière-plan. L'interaction entre le pharaon et les divinités s'exerce hors de l'espace et du temps. Le temple était la scène où se représentaient de manière dynamique divers rituels au milieu des sonorités musicales des voix et des instruments. La récitation des paroles rituelles, l'odeur de l'encens, était un hommage à la divinité pour obtenir son soutien dans la continuité de l'univers. Des liturgies quotidiennes et un ensemble de festivals cycliques où des figures symboliques recréaient les mythes dont ils faisaient partie, au cours de rituels qui avaient lieu dans l'espace du temple, puis se poursuivaient en procession de barques sacrées, le long du Nil, en direction d'autres temples. Les diverses parties qui constituaient le temple étaient avant tout fonctionnelles. Elles montraient de quelle manière les prêtres concevaient l'univers. Ici, le rituel les dotait de pouvoir légitimant l'ordre hiérarchique social de leur civilisation. Le rituel générait et organisait cet ordre social. On accède ensuite à la chambre des offrandes. Sur la gauche, la chambre de la barque d'or, utilisée pour transporter la statue sacrée durant les processions. Depuis l'antichambre, un long escalier droit conduisait au toit du temple, où se déroulaient les cérémonies et d'où l'on observait le ciel. Sur le mur, une gravure de Ptolémée V, faisant des offrandes à Isis. Les parois, initialement dorées à leur fin, ont perdu leur couleur originale. Dans le point central du temple se trouvait le sanctuaire d'Isis. Il abritait un autel de granit dans lequel se trouvait une représentation en or de la divinité. C'était la statue du culte qui, placée dans la barque d'or, sortait durant les processions et les rituels. Isis, la Vierge Mère des Égyptiens qui enfanta Horus dans l'Immaculée Conception, porte au-dessus de la tête la forme d'un trône, un fauteuil symbolique sur le chakra de la couronne, sur laquelle la conscience permanente de chaque homme viendra s'asseoir pour régner dans l'éternité. Isis est la traduction grecque du mot égyptien Ased, qui signifie « le trône de la conscience ». Elle a souvent été représentée avec un vautour au-dessus de la tête, sur lequel s'appuyaient des cornes de vache soutenant un disque d'or. Le vautour vole, entièrement voué à ses petits. Il transforme dans ses entrailles les substances en décomposition, en alimentant une nouvelle vie. La vache, qui transforme la végétation en nourriture, était dans l'esprit des Égyptiens le symbole du principe nutritif. Ses cornes ont la forme de la lune ascendante. Elle enserre le disque solaire, source de vie et lumière de la conscience. «
Ce sanctuaire était le symbole du respect des Égyptiens à l'égard de la maternité. Un respect basé sur la recherche de l'ordre et de l'équilibre. Il légitimait leur vision du monde. C'est ici que se trouvait le cœur spatial du rituel, la maison du divin où le pharaon et les grands prêtres interagissaient avec la déité en représentation de tous les hommes. Les images sculptées de la divinité la maintiennent en vie dans l'esprit de ceux qui la voient aujourd'hui. Elle les fait participer à ses rites et partager ses offrandes. Voici l'héritage laissé par les anciens d'Égypte à la conscience de toute l'humanité. La vision d'un univers de dualité. Un lieu pour expérimenter les contrastes de polarité et comprendre la neutralité. Une école conçue parfaitement par Dieu pour transformer, suite à de nombreuses réincarnations, un homme innocent en un homme sage, un animal en surhomme, grâce à l'expérience acquise à travers ses propres décisions.